Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où nous allons donc voir comment fonctionne Facebook, du compte personnel à la page en passant par le business manager. Je traite cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de personnes qui me demandent tout le temps, est-ce que j'ai besoin d'avoir un compte personnel pour avoir une page Facebook, ou est-ce que je peux créer ma page Facebook à partir de mon compte personnel, ou alors est-ce que je peux créer un business manager à partir de ma page Facebook. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter un peu la situation de Facebook. Comment est-ce que vous pouvez, les différents comptes à quoi ça sert et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce créer compte. On se retrouve donc juste après le générique pour la suite de la vidéo. Savoir, c'est lorsque vous êtes sur Facebook, vous devez absolument utiliser, vous devez absolument avoir un compte personnel pour faire quoi que ce soit. Donc, pour pouvoir utiliser les différentes fonctionnalités de Facebook, que ce soit les fonctionnalités de page, les fonctionnalités de business, notamment la création du business manager, la création des comptes publicitaires ou des pixels, vous devez avoir un compte personnel. Un compte personnel Facebook, c'est quoi? C'est lorsque vous inscrivez, vous renseignez vos informations, vous mettez votre photo de profil, votre photo de couverture, vous pouvez inviter vos amis. Vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez chatter. C'est vrai que les pages font à peu près la même chose. Mais pour avoir une page qui est la deuxième chose, la deuxième fonctionnalité que propose Facebook, pour avoir une page, vous devez justement avoir un compte personnel parce que vous pouvez créer une page qu'à partir d'un compte personnel. Voilà, une fois que vous avez votre compte personnel, vous pouvez créer une ou plusieurs pages. Et j'ai une petite astuce justement ici. C'est important aussi de maîtriser un peu le business manager parce que récemment, il y a un bug sur Facebook. Lorsque vous voulez créer une page, par exemple, ça vous dit. Vous avez créé trop de pages récemment, parfois vous n'avez même pas une page, mais ça vous envoie ce message. Donc si jamais vous faites face à ce problème, vous pouvez passer par le business manager que nous allons voir plus tard dans cette vidéo pour créer votre page Facebook. Donc voilà, la première fonctionnalité c'est votre compte personnel, vous pouvez avoir des amis, chatter avec eux, discuter avec eux, qui vous manquent un peu d'historique, vous avez fréquenté et tout. Ça c'est la première fonctionnalité que Facebook propose. La deuxième fonctionnalité c'est les pages. Vous pouvez créer une page, les pages c'est beaucoup plus pour les entreprises, les professionnels, les personnalités. Donc dans une page, vous pouvez créer de la publicité, ça c'est la première différence entre la page et le compte personnel. Alors, un compte personnel, vous ne pouvez pas créer des annonces, en fait, des annonces publicitaires. Donc, vous allez créer des publicités sur votre page Facebook, même si vous utilisez votre compte personnel pour créer, ça va être à travers votre page Facebook. Donc, ici, c'est la principale différence entre les comptes personnels et les pages. Après, il y a les groupes Facebook. Les groupes Facebook, c'est un peu comme les groupes sur WhatsApp, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui partagent des intérêts communs avec des amis, bien évidemment, et aussi des règles où on peut dire qui peut dire quoi, qui ne doit pas dire quoi, qui peut faire quoi, qui ne doit pas faire quoi. Donc c'est un peu à ça que c'est les groupes. Ce n'est pas vraiment l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Et donc, la troisième fonctionnalité que propose Facebook et qui pour moi est la plus intéressante parce que c'est celle qui m'intéresse le plus, c'est justement le business manager. Le business manager, c'est quoi? C'est un peu comme un centre où vous pouvez créer des publicités. C'est un centre d'activité professionnelle en fait parce qu'à partir du business manager, vous allez pouvoir créer des campagnes vraiment optimisées. Pourquoi est-ce que je dis ça? Dans le business manager, vous avez ce qu'on appelle des gestionnaires de publicité. Vous allez avoir la possibilité. Le business manager est hiérarchisé de sorte que vous avez besoin d'un compte de business manager, c'est un compte d'entreprise. Vous allez après pouvoir créer des comptes de publicité qui sont sur votre compte d'entreprise. Vous avez quand même un compte de publicité. Un compte de business manager, donc vous pouvez créer plusieurs comptes de publicité. Par exemple, si vous avez plusieurs activités, vous pouvez décider de créer un compte de publicité pour chacune de vos activités. Vous allez toujours dans le business manager pouvoir créer des pixels à partir du gestionnaire d'événements. Les pixels Facebook, c'est quoi? C'est tout simplement un bout de code qui sera placé sur votre site web ou sur votre landing page et qui va vous permettre de collecter les informations qui s'y déroulent, notamment que ce soit les visites des clients, des prospects, des achats ou des agents paniers afin de diffuser vraiment les publicités optimisées en fonction des actions que ces personnes font. Et aussi à partir de la base de données de Facebook. Donc, ça, c'est un peu ce à quoi sert le business manager. Et le business manager est d'autant plus important que c'est à partir de là que vous allez vraiment pouvoir créer des publicités optimisées. Donc, toujours dans le business manager, on a les audiences. Vous allez pouvoir créer vos audiences, vos différentes audiences en fonction de ce que vous proposez comme produit ou service. Donc, j'en profite pour dire à tous ceux qui veulent faire du business sur Facebook,
qui ne sont pas encore membres de mon programme e-commerce Africa, je vous laisse un lien dans la description de la vidéo à partir duquel vous pouvez rejoindre le programme. Le programme e-commerce Africa, c'est quoi? C'est tout simplement un programme qui permet en fait justement de pouvoir démarrer une activité e-commerce depuis l'Afrique, que ce soit pour les achats en Chine, que ce soit pour vendre vos propres produits ou services. Et aussi une formation hyper complète sur la publicité Facebook. Là, on peut diffuser les publicités Facebook de façon professionnelle. Donc, tout dans ce programme, nous proposons un module entier sur la création des SEO, parce que j'entends les gens dire faire des SEO, c'est compliqué. On a déniché des outils justement qui permettent de créer votre site web super facilement et entièrement gratuitement. Donc, je pense que c'était important pour moi dans cette vidéo de faire cette différence-là. Je résume. Pour faire quoi que ce soit sur Facebook, vous devez avoir un compte personnel. C'est à partir de compte personnel que vous pouvez créer n'importe quoi d'autre. Je vous invite vraiment à utiliser votre vrai nom, votre compte personnel. Parce que lorsque vous allez par exemple lancer la création de votre business manager, lorsque vous pouvez faire du business, Facebook va, si c'est votre première fois, procéder systématiquement à un blocage de ce compte et demander une vérification d'identité. Si maintenant, par malheur, le nom qui est sur votre compte Facebook ne correspond pas au nom justement qui est sur votre pièce d'identité, votre compte sera, votre projet de business manager sera définitivement bloqué. Donc, utilisez dès aujourd'hui, vous pouvez modifier votre nom sur Facebook si vous souhaitez, vous envisagez faire le business et que sur Facebook et que vous rendez compte que le nom que vous utilisez sur Facebook n'est pas le nom que vous avez sur votre pièce d'identité. Donc, après, dans le compte personnel, vous pouvez créer des pages Facebook. Les pages Facebook, c'est diffuser de la publicité par des pouces de publication. En tout cas, une page Facebook est nécessaire pour diffuser la publicité, que ce soit directement à partir d'un poste de la publication ou lorsque vous créez des campagnes à partir d'un gestion de publicité. Donc, après les pages, comme je l'ai dit, vous avez la possibilité de créer des groupes. Vous avez le business manager qui est vraiment le centre des affaires. Vous allez pouvoir gérer vos différents éléments, que ce soit vos comptes publicitaires, vos pixels, vos audiences et tout. Donc, c'est donc tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions concernant le marketing sur Facebook, le business sur Facebook, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Ou si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo sur un sujet donné concernant Facebook, le e-commerce ou tout simplement la publicité Facebook, mettez votre besoin en commentaire et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ciao!